Bonsoir tout le monde, bienvenue à Madrid. Nous sommes à l'Estadio Santiago Bernabéu. Da Silva, Da Fonseca, la team Dada est bien titulaire aujourd'hui pour vous faire vivre ce match le plus intensément possible. Au programme, une demi-finale aller du UEFA Champions League à suivre tous ensemble. Le Real Madrid face au Barça. Une demi-finale aller qui peut donner le droit de jouer la finale du UEFA Champions League. C'est très important de conserver de l'énergie pour la totalité des deux rencontres. Faire en sorte d'arriver en pleine forme jusqu'à la fin du deuxième match, c'est une question de gestion des émotions. Attention Kylian Mbappé. Goal, 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 goal. Le premier but du match, cette demi-finale est lancée. On voit sur ces images comment le défenseur évacue sur ce ballon dès le départ de l'action. Et derrière, ça va très bien. Et rien de tel pour finir cette action d'une frappe franche avec beaucoup de puissance qui vient transpercer le filet. Le jeu reprend après ce coup concédé par le Barça. La transmission pour Gavi. Ça joue en direction de Gavi. Camavinga. Araujo dans une mauvaise posture. Lewandowski. De Jong. Et ça peut être dangereux. Ouais, ballon récupéré grâce à cette interception. Et l'arbitre intervient, c'est un coup franc là pour le Real Madrid. Perte de balle de Dembélé. Ousmane Dembélé avec le ballon. Lewandowski. Goal. Quel ciseau. Et voilà encore une fois tout le but dans le centre qui est une offrande pour son partenaire. Tout le monde regarde le ballon et on oublie l'attaquant. La finition est réussie, même si le placement du gardien est peut-être un peu aléatoire. C'est faire prendre comme ça côté fermé, c'est un peu suspect. Camavinga. Eh bien joué, il efface son vis-à-vis. Ah oui, excellent ballon. Oh oui, le merveilleux coup de patte, c'est vraiment du grand art. Alors on voit ici, le 1 contre 1 est parfaitement négocié. Le défenseur est battu au départ. Et ce geste de grande classe pour finir, petite fichinette, tout en tendresse au-dessus du gardien. Il y a de l'amour dans son but. Et avec ce but, ça fait donc demain le tableau d'affichage. Un ballon intercepté, bonne intervention. Le gardien ne se laisse pas surprendre sur cette frappe longue distance. Eric Garcia. Et ça joue avec Robert Lewandowski. Et bien donné en profondeur. Et c'est donné en profondeur. Trop moyen ce centre. Et attention, la faute dans la surface. C'est un pénalty.
Galtier transformé sans trembler. Et non, le ballon qui surprend complètement à contre-pied. Le plongeon qui partait de l'autre côté. D'ailleurs, il n'est pas parti à contre-pied. Que d'émotion dans ce match. Un nouveau rebondissement. Le scénario est vraiment fou. On se régale. Mbappé. Un beau ballon là, donné dans l'espace. Bien fait, c'est pour Mbappé. Oh oui, le but. Son troisième pour le triplé. C'est merveilleux et c'est tellement mérité. Quel réalisme. Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. Regardez ensuite comment il fait le tour du gardien pour conclure dans le but libre. Moi, j'adore cette fluidité technique, cette capacité à utiliser la bonne ressource au bon moment. Ça y est, l'arbitre siffle la mi-temps à l'instant au Santiago Bernabéu. La première mi-temps de Kylian Mbappé, il fait tout, il est partout, il est grandiose, il est exceptionnel. Le pied est chaud et la confiance est au maximum. Déjà 3 buts marqués et ce n'est pas fini. Quand l'effort est poussé par l'illusion, tout est possible. C'est le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Le Barça court après ce but de retard. Attention à cette passe. Allez, non, c'est un ballon rendu à l'adversaire avec ce hors-jeu. La passe était belle, presque trop belle même. On dit toujours que c'est l'appel qui déclenche la passe. Mais là, c'est l'appel qui a déclenché l'hors-jeu. Aurélien Tchouaméni, Bellingham à la réception, Mbappé, quelle belle occasion gâchée, le ballon file en 6 mètres. Robert Lewandowski. Ouais, la vista avec cette passe. Francky De Jong avec le ballon. Ouais, c'est contré, bonne défense. Ah, il peut frapper pour égaliser. Et le plongeon de Thibaut Courtois. Dembélé qui s'applique. Ballon récupéré très haut grâce à ce bon pressing. Oh, la tentative. Ah, le gardien intervient tout en sobriété. Ballon perdu, attention, ça peut coûter très cher. Bonne intervention pour éloigner le danger. Oui, sans faute. Tchouaméni. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Il y a un contre possible à jouer là. Mbappé. Oh, c'est dedans, madre mia. Mais quoi, à cette distance? Mais comment il a fait? C'est phénoménal. Il faut de la conviction pour tenter une telle frappe à cet endroit du terrain. Beaucoup de conviction. De positif dans ce match avec ce nouveau but encaissé. On le voit, leur coach a l'air complètement déprimé. 4-2 au tableau d'affichage. Ah, la perte de balle de Dembélé. Le ballon pour Kylian Mbappé. Il va essayer d'aller provoquer dans l'axe. Et intervention facile pour Ter Stegen.
Allez, les Merengues qui perdent le ballon. Mbappé. Kylian Mbappé, balle au pied. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Plus que 2 minutes à jouer minimum. Et là, il prend le dessus sur l'adversaire direct. Et peut-être le but pour revenir. Et le but dans les dernières minutes de jeu. L'écart est réduit. Il reste une poignée de secondes pour y croire. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action. Et derrière, ça va très vite. Et ensuite, ce n'est pas fini. Il arrive à repousser la pression, à fixer la défense et à conclure tout en classe. Olé ! La fin du temps réglementaire et donc le Real Madrid fait une très bonne opération dans la perspective. C'est un match avec beaucoup d'émotions, mais aussi énormément de qualité. Petit avantage pour cette équipe, on a hâte de voir ce que ça va donner au match retour.